Les aliments qui augmentent les défenses immunitaires. Le stress, un rythme de vie accéléré et une mauvaise alimentation sont des facteurs d'affaiblissement de notre système immunitaire et de baisse des défenses de notre organisme. Renforcer son système immunitaire est fondamental pour avoir des défenses efficaces, éviter la contagion de maladies et pour mener une vie saine. Pour cela, le régime alimentaire joue un rôle crucial. S'il est vrai qu'il n'est pas l'unique facteur à prendre en compte, c'est un aspect important que nous ne pouvons pas négliger. Avoir une alimentation saine et équilibrée contribue considérablement à renforcer nos défenses, et ainsi à la santé générale de l'organisme. Si vous souhaitez connaître les aliments qui augmentent les défenses immunitaires, vous trouverez ici les aliments indispensables à votre régime. Réduisez le gras dans vos assiettes. La première chose à faire pour maintenir une alimentation saine et équilibrée est de réduire la quantité de graisse de notre alimentation. Il est démontré que les régimes riches en graisse diminuent la capacité de réponse du système immunitaire et favorisent la transmission des maladies. Mangez des produits laitiers fermentés. Les bactéries contenues dans les produits laitiers, comme le yaourt et les produits laitiers fermentés, sont reconnues pour leurs bienfaits sur le système immunitaire. En effet, ils renforcent les défenses et réduisent la possibilité de contracter des maladies contagieuses comme la grippe ou le rhume. Les aliments riches en vitamines. Les vitamines A, E, B et C sont essentielles pour renforcer les défenses immunitaires grâce à leurs propriétés et leurs fonctions de protection des cellules respiratoires. Les aliments riches en vitamine A aident à renforcer l'immunité de la peau. Elles se trouvent principalement dans les aliments rouges, tels que les tomates, betteraves, fraises, cerises, les légumes verts, tels que les épinards ou la laitue, et d'autres tels que les carottes et le potiron. La vitamine E améliore les défenses de l'organisme grâce à ses propriétés antioxydantes, c'est pour cela qu'il est très important d'incorporer à notre régime des aliments qui en contiennent, comme l'huile d'olive, de tournesol ou de soja, les fruits secs, céréales, germes de blé, asperges et légumes verts. Dans le complexe de vitamine B, nous retrouvons la B1, B2, B5 et B12 qui augmentent les défenses immunitaires. Celles-ci se trouvent principalement dans des aliments comme la levure de bière, les céréales, les produits laitiers, la viande et le foie, les fruits et légumes, le soja, le poisson, les œufs et les légumineuses. La présence de la vitamine C dans notre alimentation est fondamentale pour la formation d'interférons, protéines nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. Nous la trouvons principalement dans les agrumes tels que l'orange, le pamplemousse, le citron, etc., et autres aliments tels que les fraises, kiwis, pêches, poires, pommes, tomates, abricots, légumes verts, brocolis, choux, poivrons, et dans les pommes de terre. Les minéraux qui sont immunitaires. Le zinc, le magnésium, le cuivre et sélénium sont des minéraux qui favorisent le renforcement des défenses immunitaires. Une carence en minéraux peut entraîner la baisse de l'activité bactérienne et affaiblir des anticorps du système immunitaire, permettant alors l'entrée de virus et d'agents toxiques. Le zinc, nous le trouvons dans des aliments tels que les céréales complètes, les fruits de mer, les légumes, les fromages affinés, les fruits secs, les œufs, les produits laitiers, les graines de courge, les viandes et les poissons. Le magnésium et le cuivre se trouvent principalement dans les fruits secs et les légumes. Enfin, le sélénium apparaît dans des aliments tels que la viande, le poisson, les œufs, les fruits et légumes, les fruits de mer et les céréales. Les aliments riches en fer. Il est primordial d'ingérer du fer pour fortifier le système immunitaire et éviter l'apparition d'anémie. Nous le trouvons principalement dans les légumineuses comme les lentilles, dans les œufs, le poisson, le foie, les viandes et légumes comme les épinards et les bêtes. Ail et oignon. L'ail compte de nombreuses propriétés antibactériennes et antivirales, c'est pour cela qu'il favorise la guérison d'infections et augmente les défenses immunitaires. Agrémentez vos régimes alimentaires de gousses d'ail afin de renforcer votre système immunitaire mais aussi pour relever vos plats. De son côté, l'oignon aide à combattre les maladies respiratoires, telles comme les pharyngites, laryngites ou bronchites. C'est un incontournable renfort immunitaire naturel. Pour améliorer ses défenses, et en plus des aliments déjà cités, il en existe d'autres qui favorisent le système immunitaire, tels que les champignons et le miel. Pensez à boire au moins 2 litres de liquide par jour pour fortifier le fonctionnement du système immunitaire. Incorporez tous ces aliments à votre régime et vous bénéficierez de défenses efficaces et profiterez d'une vie saine.
12 aliments énergétiques. Beaucoup de personnes associent la nourriture au plaisir, mais sa fonction la plus importante est de nous donner de l'énergie grâce aux nutriments essentiels à notre organisme pour fonctionner jour après jour. Pour cette raison, l'aspect le plus vital de n'importe quel régime santé, que ce soit pour maigrir ou non, est de consommer des aliments aux calories riches et nutritives. De cette manière, vous n'aurez pas besoin de beaucoup manger afin de vous sentir rassasié et prêt à affronter votre journée. Nos corps ont besoin d'aliments afin de pouvoir donner le 100% de leur capacité. Si vous êtes tout le temps fatigué ou si vous sentez que vous n'avez pas assez d'énergie pour faire du sport, étudier ou travailler, il est possible que vous ayez besoin d'incorporer à votre alimentation des ingrédients qui vous donneront une impulsion énergétique immédiate. Nous vous recommandons les aliments les plus énergétiques, ainsi que quelques conseils afin que vous ne soyez jamais complètement à plat en fin de journée. Voici 12 aliments énergétiques. La banane. Les fruits secs. Les pipas et les graines. Les œufs. L'avoine. Les épinards. L'ail, l'eau, les figues, le chocolat noir, cresson de fontaine, date. Nous vous parlerons de chacun de ces aliments qui donnent de l'énergie. Les aliments qui donnent de l'énergie. Comment savoir quels sont les aliments qui donnent de l'énergie? Tous les aliments, à plus ou moindre mesure, nous apportent de l'énergie afin de maintenir actifs tous les processus métaboliques et pour renforcer les systèmes du corps. Néanmoins, beaucoup d'eux contiennent des calories vides qui manquent de nombreux des nutriments nécessaires pour l'organisme, raison pour laquelle il est si important que vous suiviez une alimentation aussi équilibrée que variée. De manière générale, les aliments chargés de nous apporter le plus d'énergie possèdent des protéines, des glucides, des vitamines et des minéraux vitaux pour le bon fonctionnement du sang, des os et des muscles, comme le fer et le potassium. Pour que les effets de ces aliments atteignent leur potentiel maximum, il est nécessaire que vous réduisiez la consommation d'autres aliments préjudiciables pour la vitalité et les défenses immunitaires, comme le sucre, l'alcool ou la caféine. Banane. Les bananes apportent une grande quantité de potassium, un minéral qui contribue à équilibrer l'eau de l'organisme et à renforcer les muscles. En outre, le potassium est fondamental afin de couvrir vos besoins vitaux, vous apportant toute l'énergie dont votre corps a besoin tout au long de la journée. Cet aliment énergétique est un des meilleurs aliments anti-fatigue car, cette dernière, est fortement liée au faible niveau de potassium. Ainsi, si vous cherchez à incorporer des aliments énergétiques pour vous entraîner, une banane tous les jours contribuera à vous faire bien manger tout en remplaçant le glycogène perdu durant votre session de sport. Fruits secs. Il y a beaucoup d'aliments énergétiques, mais si vous cherchez un aliment pour remplacer les traditionnels chips lors de l'apéro, les fruits secs feront parfaitement l'affaire. Ces derniers sont des petites capsules d'énergie avec une haute teneur en nutriments. Les fruits secs apportent acides gras essentiels à l'organisme. Protéines. Pouvoir rassasiant et antioxydant. Bien qu'il s'agisse d'un produit avec une haute teneur calorique, c'est un des aliments qui apporte de l'énergie de manière immédiate. Entre la multitude de fruits secs, chez tous ces OMMENT, nous vous recommandons de miser sur la consommation de noix de cajou, d'amandes et de pistaches car elles contiennent de la vitamine E, du potassium, du fer et des oméga 3. Pipa et graines. Les graines de lin, un légume utilisé pour obtenir de l'huile et de la farine, ainsi que les graines de tournesol sont riches en oméga 6 et oméga 9. En plus, elles contiennent des nutriments qui fournissent énormément d'énergie à l'organisme, comme la vitamine B, l'acide folique et le fer. En prenant une poignée de ces graines et de pipa, vous vous sentirez moins fatigué et vous apporterez à votre corps un des aliments les plus énergétiques qui soit. L'œuf est l'un des aliments les plus riches en protéines qui soit, en manger vous apportera un 30% de la quantité dont vous avez besoin par jour de ce macronutriment, qui est responsable du transport des nutriments dans les vaisseaux sanguins et du bon fonctionnement des muscles. Nous vous recommandons de manger des œufs car, en plus, vous pouvez les faire de mille manières, omelette, brouillé ou blanc d'œuf, et qui ont un énorme impact sur la récupération physique après avoir fait du sport. Avoine. Cet aliment énergétique est riche en glucides complexes et il contient du phosphore, du calcium, du fer et de la lécithine. L'avoine est donc lente à digérer, ce qui permet de fournir plus d'énergie tout au long de la journée. De plus,
sa teneur en fibres lui confère un grand pouvoir rassasiant, qui vous aide à manger moins et à perdre du poids. Il contribue également à réduire le cholestérol et à équilibrer les niveaux de glucose dans l'organisme. Ces deux dernières propriétés sont indispensables afin de maintenir votre cerveau et votre système nerveux en bonne santé. Manger de l'avoine améliore donc la concentration et est l'un des meilleurs aliments énergétiques qui soit. Épinards. Les épinards sont un légume recommandé si vous êtes un sportif car ils contiennent de hauts niveaux de potassium, de fer et de magnésium. C'est un des aliments qui apporte le plus d'énergie pour courir et faire de l'exercice. C'est également un aliment antioxydant qui apporte des vitamines K et B, facilitant la digestion et permettant un rendement musculaire optimum. Les épinards sont parfaits si vous voulez maigrir, car ils contiennent peu de calories, une raison de plus pour que vous les introduisiez dans votre alimentation. Ail. L'inuline, une fibre rassasiante qui facilite l'absorption du fer, se trouve dans l'ail. C'est pourquoi cet aliment est important dans un régime alimentaire qui servira à prévenir la fatigue et l'anémie. En outre, elle contribue à améliorer la circulation sanguine et à réduire le taux de cholestérol. Nous vous recommandons de manger de l'ail cru afin que votre corps puisse profiter de tous ses bienfaits médicinaux. Si vous le cuisinez, vous perdrez une grande partie de son efficacité. Eau. L'eau est essentielle afin de permettre à votre corps d'absorber tous les nutriments des aliments énergétiques. Il est donc essentiel que vous buviez suffisamment d'eau pour que les repas qui vous fournissent de l'énergie agissent efficacement sur votre corps. Figues. Cet aliment énergétique fournit beaucoup de glucides sains qui sont rapidement transformés en énergie. Il contient également de l'acide folique et du calcium, qui sont des nutriments basiques afin de renforcer les os. En consommant plusieurs figues, vous faciliterez le processus de récupération des muscles. Chocolat noir. La consommation de chocolat noir est excellente pour préserver votre énergie physique et mentale, car il fournit du fer, du magnésium, du potassium et des vitamines A, B1, B2 et E. Sa consommation contribue également à améliorer l'humeur et la motivation, mais la consommation de chocolat ne sera saine que si vous le mangez pur. S'il contient du lait, vous mangerez des graisses vides et une grande partie de ses bienfaits disparaîtra. Cresson de fontaine. Un autre des aliments énergétiques est le cresson de fontaine. Il est composé d'une haute teneur en vitamine C et en minéraux, surtout de l'iode et du fer. La consommation de ce légume réduit la fatigue si vous en consommez une quantité approximative de 50 à 100 grammes crus par jour. Date. Ce fruit énergétique apporte une bonne dose d'énergie au corps, 10 unités contiennent 275 calories. En outre, les dattes sont riches en vitamine B, en oligoéléments et en minéraux, contribuant à l'absorption cellulaire du sucre et agissant comme aliment énergétique. Comment avoir plus d'énergie? Il y a des aliments énergétiques par nature en raison des nutriments présents dans leur composition. Cependant, la nourriture n'est pas la seule technique qui permet de vous faire gagner en vitalité. Suivez les conseils suivants pour vous sentir plus en forme. Méditez, le rythme frénétique de la routine quotidienne nous empêche de nous arrêter pour réfléchir. Prenez du temps pour penser, vous organiser et vous éclaircir les idées. De cette manière, vous arriverez à optimiser l'énergie employée pour chaque tâche et vous serez moins stressé. Dormez bien la nuit, ça peut paraître évident, mais c'est bien plus important que ce que vous pensez. Respecter le rythme circadien du corps aide à avoir plus d'énergie durant la journée. Profiter de la lumière solaire des matins est aussi quelque chose de positif pour votre organisme. Faites régulièrement du sport, faire d'énormes efforts de manière ponctuelle vous fatiguera trop. La récupération musculaire sera plus lente, raison pour laquelle il vaut mieux que vous fassiez des exercices de manière régulière et qui ne vous fatigueront pas trop. Mangez de manière équilibrée, ne loupez aucun repas. Ne croyez pas non plus dans les régimes basés sur la consommation de suppléments et ne croyez pas non plus dans le pouvoir des « super-aliments ». Ne mangez pas trop de sucreries, les graisses vides et l'énorme quantité de sucre qu'ils contiennent peuvent être préjudiciables quand consommés excessivement. Évitez également la consommation excessive de caféine car, parfois, elle influe négativement sur vos niveaux énergétiques. Buvez de l'eau pour rester hydraté, dans le cas contraire, votre concentration et vos performances physiques diminuent.